Il est 22h. Nous sommes au rond-point de Sangoya, situé dans la commune de Matoto. Ici, à la place de l'ambiance, c'est un silence des cimetières. Les lieux de récréation sont tous fermés et d'autres emportés par le bulldozer suite au récent déguerpissement. Un acte que ces citoyens qualifient de deux poids, deux mesures. Cette décision du gouvernement, c'est deux poids, deux mesures, à mon avis. Parce que d'un côté, le gouvernement veut protéger sa population, qui est l'une de ses missions principales. Si le gouvernement décide de ne pas ouvrir les lieux de loisirs pour éviter les contacts entre les personnes, je crois que c'est une décision salutaire. Mais d'autre côté aussi, les gens veulent se divertir. On a passé plus de 3 mois à la maison et au début, c'était à 21h que les gens rentraient à la maison. Secondo, nous sommes venus à 22h jusqu'à 23h maintenant. Pour cet autre citoyen, maintenir le couvre-feu n'est pas une solution pour éradiquer cette pandémie. Il donne ses raisons. La fermeture des lieux de culte ou les boîtes de nuit, moi je pense qu'en tant que jeune, un jeune, ce n'est pas bon parce que quand nous entendons jeune, c'est quand il y a la culture. Quand nous entendons le progrès d'un pays, c'est quand il y a la culture. Quand nous entendons l'émancipation d'un pays, c'est quand il y a la culture. Mais si toutes ces réalités culturelles sont abandonnées, maintenant là, on ne pourra pas parler d'un décollage économique, voire même culturel. Bon, le couvre-feu n'est pas une solution pour éradiquer ces virus. Parce que quand vous le constatez partout en Guinée, dans les marchés, vous trouverez les femmes sont exposées partout. Elles ne respectent pas les mesures barrières. Et puis, si on se permet de dire qu'il faut mettre le couvre-feu pour éradiquer ces virus, moi je pense qu'il y a des liens là où il faut gérer pour pouvoir éradiquer ces virus. Contrairement aux deux autres, Suleiman Kanté lui se presse pour rentrer chez lui. Il partage la fermeture des lieux de loisirs pour des raisons de Covid-19. Oui, ça me plaît, oui, ça me plaît. Ça me plaît parce que, bon, vous-même, vous savez, la maladie Covid-19, c'est une très grande maladie et puis dangereuse. Parce que vous voyez donc, la contamination, bon, c'est très, très rapide. Bon, donc c'est normal de fermer les lieux de loisirs quand même. Pour finir avec la pandémie, bon, ce que moi je peux dire, bon, au niveau de la population, les citoyens comme moi, nous devons respecter les règles, bon, les règles imposées par l'État, bon, les mesures barrières imposées par l'État, bon, pour nous protéger tous. Selon le dernier communiqué des autorités guinéennes, les lieux de loisirs restent fermés et le couvre-feu également encore maintenu de 23h à 4h du matin.